Yo l'équipe, c'est Soum Guerri, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau Gamos, nouveau Bang Bang. Alors aujourd'hui, nous sommes à bord d'une voiture, comme vous pouvez le voir, déjà les sièges sont magnifiques. Mais bon, je vous explique ça en détail plus tard dans la vidéo. Alors je vous présente la BMW M135i M Performance les gars. Ça c'est du lourd les mecs, on remercie toujours Ogency Carbon. Cash plug collègue du scotch, vous connaissez, c'est la street. Voilà, M Performance, en plus elle a un covering incroyable. Bon là il n'y a pas trop de soleil, mais attendez, je vais regarder, je vais me rapprocher. Regardez, en fait quand il y a du soleil, ça s'illumine avec des paillettes, c'est magnifique. Big jante, incroyable, magnifique. Regardez les extensions d'ailes ici là. La voiture, elle est incroyable. Avec le logo M ici, on n'oublie pas. Les rétros. Elle est magnifique. Regardez le détail ici, là, des arêtes. Elle est très, très méchante. Bien évidemment, elle est en full option. Vous savez, chez Ogency Car, il n'y a que du full option quasiment. Regardez le bas de caisse ici, là. Magnifique. Comme je vous disais, covering intégral. Et au soleil, franchement, c'est magnifique. Effet pailleté, c'est très, très, très joli. Là, vous connaissez les nouvelles calandres de chez BM. Incroyable. Non, franchement, la voiture, elle est au top. C'est la première fois que je conduis une BM sportive. Et franchement, je suis pas déçu. BM, ils ont fait un travail de fou sur les finitions extérieures, c'est waouh. Regardez ici, vous avez le béquet avec écrit M Performance. Ça, c'est des petits détails qui font la différence. Siglé M135i ici. Ici, vous avez diffuseur en carbone forgé avec une petite ligne M Performance. C'est bleuté, c'est magnifique. Franchement, la voiture, elle est top. Avant de passer à l'intérieur, je voulais vous montrer l'antenne requin ici. Signature de chez BM. Ça bouge pas. Full option, comme je vous ai dit tout à l'heure, toit ouvrant. On peut voir l'intérieur ici. Intérieur rouge, magnifique, avec les sièges baquet sport. Siège très confortable. Ça vous serre les lombaires. Bien évidemment, siège électrique. Intérieur magnifique, vous avez du cuir. Système sound, Harman et Kardon. On va passer au cockpit. Donc je voulais vous montrer la clé qui se présente comme ça. Voilà, M Performance. La clé qui est très sympa. Franchement, BM, ils ont fait un effort considérable. Donc comme vous pouvez le voir ici, ici cuir sur le volant, un peu d'alcantara, un peu ici aussi avec la même performance là, liseré rouge à 12 heures. Et franchement, c'est hyper interactif, le tactile il bug pas, c'est instinctif. Là vous avez plein de là ça concerne les médias, pardon, attendez, je reviens au menu, tac, voilà. Vous avez la navigation, vous avez les réglages du véhicule, les applications, vous avez l'Apple CarPlay aussi. Franchement, c'est très très interactif et franchement, l'écran, je trouve sympa. Vous avez aussi l'affichage tête haute, je vais vous montrer tout à l'heure. L'écran qui est hyper 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 bien travaillé, compteur digital. Donc voilà, ici vous avez les... Merde. Vous avez les différents modes de conduite. Pour mode vitesse, très joli. Voilà, franchement la voiture est très sympa. Là je crois il y a un système aussi où on peut régler le son sans toucher quoi que ce soit, mais j'arrive pas à le trouver. Je sais même pas si c'est sur cette voiture en vrai. Bon, il est temps de passer à l'essai routier. Je vais vous démarrer la voiture et franchement, vous n'allez pas être déçu.
le son, il est. Je suis partagé. Franchement, je suis partagé parce que on entend bien le son, tout ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais qui est rétracté par les FAP, les normes et tout ça et tout tralala. Mais bon, ça n'empêche que c'est un joli bruit et on aime ça. De la voiture pour l'essai routier. On est à l'intérieur, voilà, on roule tranquille, on est en confort. La voiture, elle est hyper confortable. Franchement, c'est un truc de ouf. Et comme je disais tout à l'heure, les sièges baquets là, ils tiennent les lombaires. Ça veut dire vous bougez pas. Mais comme je suis gros, moi, ça déborde. Ça veut dire ça me serre un peu, vous voyez. Mais c'est confortable. Et ah ouais, j'ai oublié de vous montrer. Quand vous appuyez ici là, regarde, tu peux filmer là. Bouton sport, tac. Vous avez le mode ici. Bon, là on est en ville, on fait attention, mais regardez, petite accélération. Ça pousse. ça pousse. Mais on fait attention, on est en ville. Mais comme vous allez le voir tout à l'heure, enfin comme vous avez pu le voir pardon tout à l'heure, on entend un souffle. Mais de l'intérieur, c'est assez aseptisé. Donc, j'ai ouvert un peu les fenêtres. Mais franchement, c'est hyper cool. Bah, tu peux couper si tu veux. Donc, je vais vous montrer un peu. Donc, tac, mode sport. Là, vous avez plusieurs modes ici. Tu peux filmer l'écran, c'est pas mal vite fait. Là, il y a un peu de soleil en plus, donc c'est dommage. Que je vous ai pas filmé ça tout à l'heure pour la peinture, mais si j'ai le temps, je vous filmerai ça tout à l'heure. Voilà, on est tranquille, ça pousse quand même. Je sais pas si vous entendez quelque chose, mais la voiture elle pousse un truc de fou. Là, j'ai oublié de vous montrer aussi les palettes. Très important dans une voiture de sport quand même. Et regardez l'écran avec les tours minutes, les kilomètres et le petit 135i qui est en haut. Franchement, c'est ils ont fait vraiment au détail. Respecte le petit stop. Et ouais, je suis en mode sport même dans la ville, les gars. Il y a un souffle dans la voiture, enfin qu'on entend de la voiture, c'est un truc de ouf. Bon, je me suis arrêté vite fait parce qu'il y a du soleil. Regardez, je sais pas si vous voyez les petites paillettes sur le covering. Magnifique.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, les gars. Donc, n'hésitez pas à suivre ma page Instagram qui s'affiche en dessous. Là, là, juste en bas, les gars. Ouais, ouais, ouais. Et puis, voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Tchuss.